survolons actuellement la Bretagne. Une région connue pour ses galettes, ses plages et ses cochons. Nous nous trouvons à 3000 mètres d'altitude dans l'enveloppe gazeuse entourant la Terre, l'atmosphère. L'atmosphère est composée de deux gaz principaux essentiels à la vie. Vie est le nom donné à l'état et aux formes auto-organisées de la matière, ayant une capacité de duplication et d'évolution. L'apparition de la vie sur Terre est estimée à environ 3,5 milliards d'années, mais ses origines demeurent incertaines. Le maintien et le développement de la vie résultent d'un réseau d'échanges d'énergie et de matière entre les différents éléments présents sur la Terre. L'ensemble de ces éléments compose l'écosystème. Ce terme est formé à partir du grec oikos, la maison, et systema, assemblage, littéralement la maison de la vie. Il désigne l'unité de base de la nature dans laquelle les plantes, les animaux et l'habitat interagissent au sein d'un système. Même si l'azote est essentiel à la croissance des êtres vivants, les plantes, les animaux et les êtres humains sont incapables de l'assimiler directement. Par contre, certaines bactéries sont capables de le fixer dans le sol sous forme de nitrate, le rendant ainsi disponible comme engrais pour les plantes. Le maïs est une plante. Il fut introduit en Europe par Christophe Colomb après son retour d'Amérique à la fin du XVe siècle, où il constituait la base de l'alimentation des Amérindiens. Sa consommation est particulièrement importante aujourd'hui dans certains pays du tiers-monde, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, et marginale dans les pays industrialisés, où il est surtout utilisé pour l'élevage de porcs. La domestication du porc a commencé en Europe vers 7000 avant Jésus-Christ. La viande de porc est la plus consommée dans le monde et en Europe. Elle occupe une place importante dans l'économie mondiale. Le terme économie est formé à partir du grec oikos, la maison, et nomos, gérer, littéralement, la gestion de la maison. De la maison, l'activité s'est étendue à l'État et à la société dans son ensemble. L'économie de la société humaine devient ainsi la science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société afin de satisfaire les besoins des hommes. Le principe général qui sous-tend l'économie est celui de la rentabilité. Elle consiste à consommer un minimum de moyens en vue de réaliser un maximum de profits. En 1909, le chimiste allemand Fritz Haber met au point un procédé chimique capable d'extraire et de transformer l'azote contenu dans l'atmosphère. Ce procédé a une importance économique considérable et ses applications sont d'une grande utilité pour les êtres humains. Conservateur, gaz propulseur pour bombes aérosols ou aérographe, gaz pour gonfler instantanément les coussins de protection en cas de choc, gaz hilarant, combustible de fusée, explosif, comme la dynamite, la nitroglycérine ou encore la poudre à canon. Engrais azotés synthétiques. Après la guerre, cet engrais a été largement utilisé par les agriculteurs afin de relancer l'économie. La phase de fixation de l'azote dans le sol par les bactéries n'est désormais plus nécessaire, l'engrais étant lui-même abondamment chargé de nitrate. Le cycle de croissance de la plante est ainsi réduit et la production ne connaît plus d'interruption. Le nitrate qui se trouve maintenant en grande quantité dans le sol, absorbé en grande quantité par la plante, est elle-même mangée en grande quantité par le cochon. Sur 100 kg de nitrate absorbés par le cochon, 50 à 70 kg sont rejetés dans le lisier. Dans les bâtiments d'élevage, certaines parties du sol sont constituées d'un plancher en béton, comportant des ouvertures situées au-dessus d'une fosse ou d'un canal à lisier. Ils permettent l'évacuation et le stockage du lisier vers la fosse à lisier. Ce lisier, riche en nitrate, est répandu sur les sols pour servir d'engrais. L'importation d'engrais azotés synthétiques, combinée à l'épandage du lisier sur un territoire limité, provoque un excédent de nitrate dans le sol. Le nitrate est particulièrement soluble dans l'eau. Il s'infiltre dans la nappe phréatique, est transporté par les rivières et se retrouve en masse sur les côtes. L'eutrophisation est la modification et la dégradation d'un milieu aquatique, lié
liée en général à un apport excessif de substances nutritives qui augmente la production d'algues et de plantes aquatiques. La putréfaction des algues dégage de mauvaises odeurs, ayant un impact négatif sur le tourisme et sur l'immobilier. Le ramassage par les pouvoirs publics de ces algues est très coûteux et entraîne un prélèvement important de sable. L'algue verte est due à la recherche de profits et de rentabilité induite par l'économie humaine, qui, en bouleversant le cycle naturel, s'est exclue de l'écosystème. Nous survolons actuellement la Bretagne. Thank you.